De la sensibilisation à la répression, la mairie de Bouya détruit tous les commerces mal installés au marché Gritsopop. Une action annoncée depuis plusieurs semaines qui reste mal accueillie par les commerçants qui, pour eux, peinent déjà à faire face à la crise qui sévit dans cette partie du pays. Mais pire encore, au chômage dans lequel ils viennent d'être plongés. On va faire comment? Dites-nous, on va faire comment? Comment? On va aller où? La crise ne nous laisse pas. On ne vend même pas d'abord tous les jours. Maintenant, on vient nous casser. Pourtant, c'est ici qu'on se bat à nourrir nos familles. Nous sommes choqués. En effet, les vendeurs avaient entièrement obstrué la voie publique ici. Circulation difficile. Accident enregistré à répétition. Le dernier cas en date fait état de 2 morts sur le carreau. D'où, tolérance zéro pour les agents de la mairie lors de ces casses qui rentrent dans les résolutions prises pour la protection des personnes et des biens. Et donner fière allure à cet espace marchand. Nous avons été instruits par le maire de Bouya d'effectuer ces casses pour mettre fin à ce désordre urbain dans cet espace marchand. Et les commerçants étaient bien informés de cette situation depuis fort longtemps. C'est pour leur bien qu'on le fait et ceux qui n'ont pas de boutique peuvent se replier au marché central de Bouya. Il n'y a plus d'espace là-bas pour les accueillir. Notre objectif est de protéger les populations, mais pas d'aller en guerre contre eux comme ils le pensent. Cette initiative est saluée par des usagers qui réclament que de telles répressions soient également appliquées dans tous les marchés sur l'étendue du territoire national, qui affichent de tels spectacles désolants.